Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Vous venez de résumer la situation. Le mot clé avant le match, c'était la solidarité, la discipline et venir encore et chercher un résultat pour rester sur notre bonne continuité de cette début de l'année 2023. Et ouais, ce soir, le travail paye. À la mi-temps, on est mené au score. Mais on reste solidaire, on s'accroche, on reste discipliné et on sait saisir les occasions pour recoller au score. Et en fin de match, voilà, on s'accroche jusqu'à la fin et ça montre, je pense, l'état d'esprit du groupe et pour aller chercher cette victoire à la dernière minute. Non, pas de sentiment d'injustice parce que voilà, c'était un match ouvert en première mi-temps notamment où il y avait beaucoup de jeux. On se fait sanctionner sur des contres et voilà, c'est de notre faute. Mais comme j'ai dit, on reste dans le match à revenir chercher rapidement des points et recoller rapidement au score, ce qui nous fait rester dans la partie. Et voilà, en deuxième mi-temps, on a su, malgré qu'on subisse une séquence assez longue en début de seconde période, où on encaisse quand même un essai. Mais voilà, on revient encore une fois rapidement au score avec cet essai un peu casquette aussi de notre côté sur le renvoi après l'essai. Donc non, voilà, c'est comme j'ai dit, c'est tout un groupe qui travaille, notamment ceux qui sont à Grenoble, qui ont fait le job les semaines précédentes. Et voilà, on est récompensé ce soir et en espérant que les bons résultats continuent au fil du temps. Ouais, c'est ça, il a vite fallu se mettre dans le match. Je pense que c'est un match sympa pour une reprise, beaucoup de jeux. Donc non, je suis très heureux ce soir de faire ce retour à Béziers avec cette victoire et voilà, pour une reprise très satisfait. Geoff, Ouais, les batteries piocher ou vous se... vouliez faire briller les partenaires? Non, les batteries se déchargent rapidement et le coaching a été payant. Tous les finisseurs qui étaient sur le banc ce soir ont fait le job, ont mis de l'avancée à l'équipe, notamment quand on était dans un moment plutôt faible. Et voilà, c'est comme j'ai dit, on peut compter sur tout le monde. Auparavant, sur certains matchs, le rôle des remplaçants a parfois été compliqué. Et là, ça fait plusieurs matchs que tout le groupe, tous les joueurs qui sont sur la feuille de match apportent leur pierre à l'édifice pour apporter quelque chose au groupe. Et c'est ce qui paye ce soir. Les derniers mètres ont été un peu longs, hein, sur l'essai. Ouais, je pense que le terrain, faut pas qu'il soit 5 mètres plus long. 1 mètre même. Ouais, non, on compte sur eux de partout, au Stade des Alpes, notamment à domicile. Et je sais qu'ils sont derrière nous, qu'ils ne nous lâchent pas. Et c'est important pour nous d'être soutenus, d'être poussés, parce que ça aide aussi, notamment dans un match comme ce soir, où c'est engagé jusqu'à la fin, étendu jusqu'à la fin. Voilà, eux aussi apportent quelque chose et nous poussent à aller de l'avant. Et voilà, on les remercie et qu'ils continuent à nous suivre jusqu'à la fin.